Cher Claude, merci d'être avec nous ce soir pour la deuxième causerie de la comédie continue encore. Comme le disait Eric Ruff hier, nous nous trouvons dans une période intermédiaire. Nous avons été déconfinés, mais l'activité dans le théâtre ne peut avoir lieu. Les répétitions n'ont pas repris et nous ne pouvons toujours pas accueillir de public. Mais nous reprenons le travail en perspective d'une reprise la plus proche possible, nous l'espérons. Nous avons donc réinventé notre programmation de la comédie continue avec la comédie continue encore, qui consiste en une programmation du même type le week-end, où vous retrouverez les pastilles et des levées de rideaux, et en semaine, du lundi au vendredi, des causeries avec un comédien de la troupe qui répond à vos questions durant une heure. Donc après Eric Ruff hier, nous avons le plaisir d'être avec toi ce soir. Claude, tu as tout d'abord été engagé à la Comédie Française en tant qu'élève stagiaire en 1979 pour interpréter Irina dans Les Trois Sœurs de Tchekhov, que Jean-Paul Roussillon mettait en scène. Tu as été nommé 474e sociétaire de la troupe en 1985 et tu en es la doyenne depuis le 1er janvier 2017. En dehors de ta pratique de comédienne, tu as assuré la mise en scène de plusieurs spectacles. Tu as notamment dirigé Guillaume Gallienne dans un seul en scène au Studio Théâtre, Saint-François, le divin jongleur de Dario Fo. Tu l'as également mis en scène dans Les garçons et Guillaume à table. Tu as dirigé dans le cadre des cabarets de la Comédie Française, le cabaret Léo Ferré, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Pour l'heure, c'est sur ta qualité de doyenne que nous pouvons ouvrir cette causerie, si tu le veux bien, car plusieurs personnes t'interrogent sur cette fonction. Comment définis-tu ce rôle de doyenne? Est-ce que le fait d'être doyenne de la troupe apporte une responsabilité supplémentaire? Ce rôle de doyenne, je l'avais qualifié il n'y a pas très longtemps de sœur aînée. Et après, j'ai beaucoup ri d'avoir dit ça parce que je me disais comment puis-je être la sœur aînée de nos tout jeunes pensionnaires, Jean Chevalier, Biranba, Kleina. Je me disais, je suis presque leur grand-mère quelque part. Mais l'aîné, je le garde. Vraiment parce que c'est une vraie fraternité qu'il y a à la Comédie Française, la troupe. La troupe est une vraie fraternité et ça se révèle d'autant plus là avec cette période de confinement. Le rôle de la doyenne, il est donc ce rôle d'aîné. Il a ce rôle de l'expérience, puisque ça fait une quarantaine d'années que je suis à la Comédie Française. J'y suis toujours actrice et ça, c'est fondamental. J'entends ce rôle de doyen justement parce qu'on continue à pratiquer. Parce que ça n'est pas un rôle décisionnaire, il est un accompagnement. Il est là pour veiller sur cette Société des comédiens français, sur la troupe, et pour que tout cela continue à avancer. Et en même temps, il y a une mémoire et elle est très importante pour nous. Donc, la doyenne, je la vois comme quelqu'un qui est à l'écoute, qui est en regard de cette soixantaine d'acteurs, avec des personnalités très différentes, avec des chemins pour arriver au théâtre très différents, des expériences théâtrales très différentes. Et il faut réussir à garder... c'est un lien, c'est... presque un liquide qui prend en charge tous ces acteurs. Il est accompagné, on est doyen et on est accompagné d'un comité qui est composé de 8 acteurs avec des élus par la troupe et des nommés par l'administrateur. Donc ce comité, il se fait avec l'administrateur, mais on a aussi des réunions entre nous pour discuter. Je pense que nous avons besoin de cette collectivité pour pouvoir être à l'écoute de toutes ces personnalités. Les membres du comité
ont des liens avec certains acteurs. Moi, j'ai des liens avec certains acteurs, avec tous, mais il est clair que lorsque nous jouons ensemble, ces liens s'approfondissent. On ne joue pas avec tout le monde tout le temps. Donc, même si je reste en contact avec la plupart des acteurs par les réunions ou par des contacts personnels, qui là sont un peu mis à mal parce qu'on n'est plus dans la maison, on ne se rencontre plus par hasard ou on se dit trois mots. Ou, là, c'est, à chaque fois, c'est plus un coup de fil pour éclaircir certaines choses. Donc, c'est un petit peu plus lourd. Voilà, c'est, je le vois, ce rôle de doyen avec le comité, avec tout ça est un peu comme une toile et on finit par atteindre tout le monde avec des personnalités différentes et tout cela me revient. J'ai l'expérience des autres et du coup je peux moi prendre un peu de recul et pouvoir un peu me rendre compte où en est la troupe en ce moment face à tel événement. Voilà. C'est tout un travail qui se fait à plusieurs et que je centralise un peu. Voilà ce que je peux dire. Merci, parce qu'en effet, beaucoup de gens se demandaient aussi comment tu avais pris ce rôle dans cette période spécifique en fait, du confinement. Si tu avais été le relais auprès de l'administrateur, des inquiétudes de chacun. Si tu avais senti que tu étais aussi là pour remonter le moral de ceux qui en avaient besoin. Bon, pendant cette période de confinement, notre devise a vraiment pris toute son ampleur avec notre Simul et Singulis. Je dois avouer que le Simul s'est mis en place de lui-même, avec une écoute les uns des autres, avec une telle frustration d'arrêter de jouer du jour au lendemain, que s'est mis en place d'ailleurs un WhatsApp proposé par une des actrices, par Véronique Vella, et qui a été un peu l'exutoire et la possibilité de s'exprimer, de survivre, de plaisanter, en tout cas le contact permanent avec les autres, qu'on prend, qu'on ne prend pas, qui se déroulait au fur et à mesure de la journée et suivant chacun, on attrapait un moment et puis d'autres ne venaient pas trop sur ce WhatsApp. Chacun a géré son confinement, mais il pouvait toujours avoir un contact en dehors même de lui avoir ses contacts personnels. Le travail, la proposition de la web télé par Eric Ruff a été fondamentale. Ils se sont jetés à corps perdu dedans, même si on est très heureux maintenant d'arriver à une autre période et où on espère pouvoir se retrouver. Alors peut-être pas en répétition tout de suite, mais peut-être trouver un moyen de travailler à quelques-uns en faisant attention. Et ça, c'est assez attendu. Il y a à nouveau du collectif. Et oui. Tu parlais du rôle de l'aîné. Oui. Pourrais-tu répondre à Audrey qui demande si la doyenne joue un rôle particulier dans l'accueil des nouveaux pensionnaires ? À Marin qui demande aussi si tu as en tant que doyenne un rôle de parrainage des jeunes qui entrent dans la troupe. Ça, c'est une chose que l'on s'attribue plus ou moins. Vous savez, quand on entre dans la troupe, on a affaire à une première distribution. On rencontre des acteurs. Si je prends mon exemple, lorsque je suis rentrée dans la troupe, pour les trois sœurs, j'ai rencontré l'équipe de Jean-Paul Roussillon. Je n'ai pas eu de doyen qui m'a spécialement parlé. Et c'est suivant vos affinités, suivant votre interrogation, que vous faites votre chemin. Je crois que le chemin, il doit être personnel. La doyenne, en plus, elle peut représenter pour les jeunes acteurs qui rentrent, bon, ça représente quand même l'ancienneté, etc. Moi, je ne me sens pas un rôle de parrainage spécialement. Je me sens
J'ai un regard sur eux, hein, bien sûr, mais je sais par les copains qui sont dans la distribution comment ça se passe, je leur parle à l'occasion, mais je fais ça très discrètement, et puis quand je les retrouve moi-même, sur des répétitions, j'approfondis le rapport. Mais je ne me sens pas une chose un petit peu académique de les rencontrer, où je laisse faire la personnalité, je vois comment elle se développe, je vois les affinités. Voilà. C'est plus mon chemin, pour le coup, avec les jeunes acteurs, et même les acteurs plus anciens qui entrent dans la maison. J'ai besoin de ce moment où je vais les retrouver déjà sur un plateau, ce qui est important pour moi. Et puis sinon, je sais comment ça se passe. Je suis sommelière, je suis responsable du théâtre régulièrement. Je vois comment se passent les spectacles. Je suis dans les coulisses. Donc, j'ai déjà mon approche, mais je la concrétise si j'en sens le besoin. Pour prolonger sur ton propre parcours, en fait, Félix Valentin nous demande justement quel était ton parcours avant d'entrer à la Comédie Française, de quelle façon tu y es entrée. Alors, j'étais à Rouen, je suis allée au Conservatoire de Rouen, Conservatoire d'art dramatique, et j'y ai rencontré des jeunes élèves acteurs, Bertrand Bonvoisin, Bérangère Bonvoisin, qui travaillaient qui avaient déjà commencé à faire des spectacles avec un metteur en scène qui s'appelle Alain Bézu. J'ai été entraînée, je suis allée travailler avec eux, et on a concrétisé cette expérience en créant une troupe qui est devenue, qu'on a appelé le Théâtre des Deux Rives, et qui est resté le Théâtre des Deux Rives, qui est devenu, une fois qu'on était parti, un centre national. Moi, je suis partie à peu près, je crois que je suis restée 4 ans, parce que j'aimais énormément être aux Deux Rives, mais en même temps, je me disais, mais le jour où... où on n'a plus besoin de nous, on n'a pas du tout de, il n'y a pas d'autre théâtre, ce sera la seule expérience qu'on va faire. Et puis, je suis tombée avec mes amis sur les écrits d'Antoine Vitesse, dans Travail théâtral, sur ce qu'il faisait à Ivry, sur ce qu'il faisait au conservatoire. Et là, on a été très tentés. Donc, avec Bérangère et Bertrand, on est partis à Paris et on a passé le concours du conservatoire. Donc, je me suis retrouvée à Paris, je suis rentrée dans la classe. Alors à ce moment-là, il y avait les classes de première année. Le directeur était Jacques Rosner, et il y avait des oppositions dans ce conservatoire entre des professeurs, d'anciens professeurs de théâtre un petit peu plus classique, et l'arrivée de metteurs en scène comme Vitesse, comme Pierre Debauche, comme Marcel Bluval et Jean-Paul Roussillon. Et du coup, il y avait un petit peu des tensions dans le conservatoire. Donc, les premières années étaient obligatoirement avec les anciens professeurs. Et Jacques Lassalle, je ne sais pas pourquoi je parle de Lassalle, Jacques Rosner, nous a, devant l'impatience des acteurs, nous a dit « Écoutez, on se donne rendez-vous en décembre et puis on verra ce qu'on fait. » Donc, en décembre, rendez-vous a été pris et on a dit qu'on ne voulait pas rester dans nos classes. Et c'est comme ça que moi, comme j'étais venue pour Vitesse, j'ai demandé à être chez Vitesse. Et je suis allée dans la classe d'Antoine Vitesse. Et puis, en fin de deuxième année, dans ces fameuses journées, parce qu'il n'y avait plus de concours, dans ces fameuses journées de fin d'année, j'ai été contactée par Jean-Luc Boutet, qui m'a dit qu'on cherchait une Irina pour les trois sœurs que Jean-Paul Roussillon allait monter. Donc sur le coup, moi, je ne connaissais pas la Comédie Française.
je n'étais pas spécialement attirée. Donc, sur le coup, je n'étais pas très engageante. Mais Richard Fontana, qui était en même temps que moi au conservatoire, m'a dit que j'étais folle et que c'était une expérience, surtout avec le rôle d'Irina. Donc, finalement, je me suis présentée, j'ai fait des essais avec Jean-Paul et les acteurs de Jean-Paul qui faisaient les essais avec les jeunes actrices. Et j'ai été prise. Et voilà, je suis rentrée au Français comme ça. Et alors, Marc te demande, quel est ton plus beau souvenir à la Comédie Française ? J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais... à travers des spectacles, des choses comme ça. Mais ce qui m'a le plus... Là, aujourd'hui, quand j'y pense, ce qui m'a le plus bouleversée, c'est l'arrivée d'Antoine Vitez comme administrateur. Je ne pensais jamais retrouver Antoine. Et j'ai eu l'impression, avec son arrivée, que je faisais ma troisième année de conservatoire et que mon apprentissage continuait. Et il a continué parce que c'était quelqu'un qui était toujours partagé ses réflexions, qui restait beaucoup là le soir et qui était souvent là au moment de l'entracte et qui venait discuter, qui venait au foyer, qui venait dire « Tiens, en ce moment, je pense à ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Et j'ai eu l'impression de reprendre ce travail que nous avions commencé au conservatoire. Et là, il s'est en plus élargi aux Français. Et en tant que membre du comité, quand j'étais membre du comité, je l'ai été en même temps qu'il était administrateur, j'avoue que ça a été une très belle expérience parce qu'il avait une grande exigence et il voulait que dans ces comités, malgré les problèmes administratifs que l'on avait à régler, il voulait qu'il y ait toujours l'art, que l'art soit présent et qu'on prenne toujours beaucoup d'altitude pour analyser les problèmes. Et ça, voilà, ça a été une expérience très importante pour moi en tant que membre du comité, notamment. Ça, c'est un souvenir cher parce que je n'ai jamais pu imaginer qu'Antoine soit administrateur, même si c'est la seule personne qui m'ait mis un mot dans mon casier lorsque j'ai été engagée aux Français pour me féliciter. Alors, les rencontres sont très importantes. Les parcours des actrices et des acteurs sont auréolés de mystère, tant vous passez aussi du temps avec des personnages de pièces de théâtre. Charles Gabb, comme d'autres, aimerait connaître le personnage qui t'a le plus marqué dans ta vie d'actrice. Oh, là aussi, je ne peux pas dire un seul personnage. J'ai joué quand même pas mal de choses maintenant. Et je peux dire, j'ai parlé dans une interview d'un rôle qui n'était pas un grand rôle, mais qui avait été essentiel pour moi dans mon évolution d'actrice, qui avait été un mari d'Italo Svevo avec Jacques Lassalle. Voilà, ça a été un rôle très important parce qu'il m'a ouvert une porte, Jacques Lassalle, sur des rôles dont vous vous sentez extrêmement éloigné, que vous ne pouvez pas penser qu'il y aura écho en vous de quelque chose de ce rôle. Et là, il m'a montré que c'était possible et j'y ai eu un énorme plaisir. Alors là, c'est moins une histoire. Alors oui, ce lit a pour moi un rôle que j'ai aimé. Ce lit a l'expérience humaine que j'ai à ce moment-là avec. Je peux dire aussi Monime dans Mithridate, parce que c'est tombé à un moment de ma vie où le travail avec Daniel Mesguich, qui était le metteur en scène, m'a repropulsée en avant dans ma vie qui s'assombrissait et ça a été pour moi un moment extraordinaire. Et Monime, bien sûr, en a fait partie, l'Alexandrin en a fait partie, l'imaginaire de Mesguich, le rapport au texte, que nous avions fait de nombreuses lectures, beaucoup de travail à la table
pour être un peu pour se mettre au diapason un petit peu comme les musiciens font accordent leurs instruments. Et moi, ça a été un travail extrêmement bénéfique. Oui, je lis beaucoup au travail que je fais plutôt qu'au rôle, en fait. Et là, je peux parler d'énormément de rôles comme ça. J'ai adoré faire Peer Gynt parce que ça a été une aventure extraordinaire et humaine, là aussi, et première parce que nous n'étions plus dans nos murs et surtout dans un décor. Tout en longueur, c'était comme le chemin de ce Peer Gynt et nous vivions chacun une étape de sa vie, leçon de vie, leçon humaine, j'adore ça. Donc le personnage est lié au metteur en scène. Il est lié à la composition, il est lié au texte, il est lié à l'équipe. Peut-être qu'il y a autour. Vous voyez, quand on fait aussi Electro-Rest avec Ivo Vanov dans ce décor debout, et qui pour moi a été une épreuve humaine dans la mesure où je ne sortais pas du plateau. Ça, c'est pas un problème. Mais du coup, je n'avais aucun contact avec mes camarades. Je n'avais jamais de moment en coulisses, jamais de moment au foyer. Et il y avait avant cette répétition de danse, cet échauffement. Donc en fait, j'arrivais au théâtre à 6h30 et en fait, je voyais ceux de la danse. Hein, mais après, je mangeais terriblement vite. Et ensuite, j'étais sur le plateau. Je n'avais aucun lien avec ce qui se passait en dehors du plateau. Et j'ai énormément aimé faire ce spectacle, il m'a apporté énormément, mais j'ai eu une énorme frustration de n'être que sur le plateau et pas du tout en lien, et en plus, même pas en lien avec le régisseur sur le côté, puisque on ne pouvait pas aller dans la coulisse du tout, du tout. Eh bien, ça c'est une expérience que je n'avais jamais vécue. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime être en dehors du plateau, à avoir le sentiment des autres. J'avais l'impression d'être extrêmement seule. Alors, une question qui concerne justement un parcours intérieur, qu'apostait Cathy Vidello. Claude, est-ce qu'il y a un rôle, un personnage qu'on ne t'a pas proposé et que tu aurais aimé jouer? Non. Je n'ai... vous savez, l'expérience est pour moi tellement importante que je n'ai pas spécialement de rêve sur un rôle. Le théâtre, c'est pour moi... une expérience de vie et je n'ai eu aucune frustration de rôle. J'ai pris les rôles qu'on m'a donnés, j'en ai souhaité certains, c'est vrai, que je n'ai pas fait, mais ça n'était pas grave du tout. Et j'ai une vie d'actrice bien remplie et j'ai aimé les expériences que j'ai faites. J'ai beaucoup vibré à cette dimension. Donc, le rôle, un rôle que je n'ai pas fait et que je voudrais faire, maintenant c'est un peu tard, de toute façon, mais non, pas spécialement. Pierre-Yves Mourisseau pose une question très intéressante qui rejoint cette idée de parcours. Sur le regard que tu portes sur la maison qu'est la Comédie française, il rappelle que tu y es entrée dans les années 80 et je le cite, aujourd'hui en 2020, par quoi dirais-tu que la Comédie française est la plus semblable ou fidèle à ce qu'elle était alors? En quoi a-t-elle le plus changé, selon toi? Les relations dans la troupe ont changé. Quand je suis arrivée, les différences pensionnaires sociétaires étaient encore un peu encore marquées. Même si on avait vraiment, ça avait déjà bougé.
Tout cela a beaucoup évolué sur un plateau. Que vous soyez pensionnaire, sociétaire, qui pourrait le dire? Personne. Nous n'avons pas ça du tout dans la tête non plus. Ça a beaucoup bougé. L'entente, du coup, dans la troupe a beaucoup changé. C'est une troupe bienveillante, très bienveillante. On a beaucoup parlé des clans, etc. C'est vrai, ils ont existé. On peut pas, je ne vois pas de clan maintenant. Il y a des affinités, c'est normal, c'est humain. Mais ça, c'est l'ambiance, la solidarité dans cette troupe. Je peux même dire l'amour des acteurs. Leur bienveillance, comme je disais, elle est réelle et elle est très importante, elle change beaucoup les choses. Alors ça vient aussi du travail théâtral, y a beaucoup de jeunes metteurs en scène qui viennent, il y a beaucoup de jeunes acteurs qui rentrent, qui ont fait partie de collectifs. Tout ça donne un autre aspect des répétitions. Moi, que j'avais déjà vécu, par exemple, dans la classe de vitesse, où on était tous mélangés, première, deuxième, troisième année, sans Antoine, c'était quelque chose de très important pour lui. Moi, j'ai l'impression d'avoir retrouvé ça, finalement, au fur et à mesure des années, et on le retrouve même à la Comédie française. Pour la troupe, c'est ça qui a beaucoup changé. Il y a un vrai travail ensemble. Et de se confronter à des metteurs en scène différents. Ça existait avant, mais là, on se retrouve quand même avec, avec la programmation d'Éric Ruff à vraiment passer d'une chose à une autre. On peut passer d'Ostermeyer, d'Ivo Vanov, à des très jeunes metteurs en scène qui débutent et qui nous apportent leur nouveau regard sur le théâtre, sur la façon de travailler ensemble. J'aimerais faire une petite pause avant de poursuivre sur ton métier proprement dit avec une question plus personnelle de Black and White qui touche à ton propre imaginaire. Il demande: quel est votre peintre préféré? Très drôle cette question. En fait, je vais tout de suite dire. Maintenant, c'est Chagall. Mais j'ai eu un grand compagnonnage avec Van Gogh. En fait, je voulais être peintre au départ. Et ça, c'est à mon adolescence où Van Gogh a été un vrai compagnon. Et d'ailleurs, je suis en train de travailler sur ses lettres à son frère Théo comme chant pour la Wikipédia. J'y ai retrouvé ce peintre. J'avais beaucoup de correspondance à l'époque et cette époque qui peut être difficile, qui est l'adolescence. Et donc Van Gogh a été mon peintre préféré pendant très très longtemps. Et parce que j'aimais sa quête spirituelle à un moment où il a entrevu pour lui de devenir pasteur, et je comprenais cette quête d'absolu. J'aimais ses lettres à son frère, sa fraternité, son désir de poursuivre cet échange avec son frère, cette recherche dans les livres qu'il avait. Les livres ont été très importants pour moi pour ne pas me sentir seule. Et l'expérience des auteurs me disait, je peux continuer à vivre, je peux continuer à avancer. Tout le parcours de Van Gogh a été pour moi, dans ses excès, m'a permis de vivre, j'avoue. Et puis ensuite, j'ai aimé Chagall parce que les personnages
vol. Et ça aussi, ça a été vital pour moi. Après ta relation à la peinture, c'est à ton rapport à la musique, en tant que metteur en scène, que s'intéresse Margot Loireleux. Je la cite de nouveau. Vous avez mis en scène le cabaret Léo Ferré en 2016. Quel en fut pour vous le plus grand défi? Comment réussir à tenir un équilibre entre chanson et jeu, surtout dans une institution comme la Comédie Française, qui est avant tout théâtrale? Et j'ajouterai qu'elle te remercie de ta réponse, qui l'intéresse tout particulièrement car elle réalise un mémoire sur la musique à la Comédie Française. Donc voilà, nous tenions à poser sa question, qui nous intéresse également. Lorsque l'administrateur m'a proposé de mettre en scène un cabaret, au départ, c'était sur la guerre de 14, sur tout ce qui était chanson au moment de la guerre de 14. Je ne me suis pas du tout sentie inspirée par ça. Et me demander un cabaret me semblait difficile. Mais j'avais dit, je vais réfléchir. Et enfin, il m'avait dit d'ailleurs, l'administrateur, réfléchis et donne-moi ta réponse rapidement. Donc, j'ai réfléchi et j'ai un mari musicien. Et donc, ça m'a rassurée. Je me suis dit, bon, je vais lui en parler. Si je le fais, ce sera avec lui. Donc, on s'est mis d'accord sur Léo Ferré. Et pourquoi Léo Ferré? D'abord parce qu'on aimait énormément Léo Ferré, mais aussi parce que c'est un poète, parce qu'il y avait la matière de la langue, pour moi qui ne suis pas musicienne, et la puissance des textes, et leur poésie, leur engagement. C'est quelqu'un qui va très loin dans ses propositions. Et musicalement, c'est un magnifique musicien qui dans ses arrangements est allé jusqu'à dans ses orchestrations presque avoir un orchestre symphonique, c'est-à-dire que c'est vraiment une matière musicale forte aussi. Le défi, le plus grand défi, ça a été de pouvoir nous adapter tous, les acteurs, les musiciens, la personne qui s'est occupée de la musique, Benoît Urbain, de nous trouver ensemble avec cette matière que j'avais envie, avec Nicolas Vassiliev, de respecter. De beaucoup respecter cette matière musicale. Et voilà, on a mis du temps à se trouver, on s'est trouvé. C'était un peu exigeant. Là, quand j'ai revu le film, la captation, je me suis dit, je l'ai trouvé un peu sombre au niveau de la lumière. Et moi qui portais ces textes, je ne les voyais pas aussi sombres que j'ai pu les voir. Je me suis dit, oh là là, ils ont été courageux, ils ont été, voilà, ils y ont cru comme toujours, les camarades, ils ont foncé, Benoît aussi, les musiciens, magnifiques. L'équilibre, il s'est vite trouvé, les acteurs, alors par rapport au chant, on a des chanteurs maintenant à la Comédie Française. C'est vrai que quand je suis rentrée, ou en tout cas on ne le savait pas, ou on ne faisait pas appel à ce don et métier de la musique et du chant. Du chant et des musiciens aussi. Comment ? Il y a aussi des musiciens. Alors maintenant, il y a aussi des musiciens, mais ça c'est tout nouveau. Même si Thierry, dans la maison, jouait quand même du piano, il s'était mis à l'accordéon, mais c'était rare, c'était très rare. Et là, le fait qu'on ait de plus en plus d'acteurs qui chantent ou actrices ou qui jouent de la musique, eh bien voilà, tout ça se développe, d'où les cabarets, d'où même chansons maintenant à l'intérieur de spectacles, des choses comme ça, parce que servons-nous de tous ces talents, bien sûr. Alors, Pierre-Yves Mourisseau te pose une seconde question.
à ce sujet, justement. De nombreux comédiens de la troupe sont aussi chanteurs, musiciens, sont aussi metteurs en scène, conçoivent des spectacles. Y a-t-il une volonté d'encourager les membres de la troupe à ne pas être que de simples comédiens, dit-il. Et il ajoute, n'y a-t-il pas un risque pour ceux dont le désir serait uniquement de se concentrer sur le métier d'acteur, sur le fait de jouer, ou qu'ils ne se sentiraient pas légitimes à autre chose, d'être finalement déconsidérés? Alors, je vais commencer par la fin. Aucune façon d'être déconsidéré si vous ne chantez pas, si vous ne jouez pas de la musique ou si vous ne dansez pas. Au contraire, on se sert des talents des acteurs. S'il est multiple, tant mieux. S'il ne l'est pas, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est la personnalité de chacun. Et il y a un encouragement, je ne sais pas si c'est encouragement, mais l'administrateur dans sa programmation sait qu'il peut faire appel à des chanteurs et à des musiciens, donc pourquoi pas, ou à des danseurs d'ailleurs, puisqu'il y a maintenant quelques personnes qui font de la danse, et même Françoise Gillard a fait un spectacle de danse. Voilà. Tous les talents sont les bienvenus. Plus cette maison est ouverte, que ce soit aux propres talents de ces acteurs qui sont aussi metteurs en scène, qui sont aussi scénographes, ça n'est qu'un plus pour nous. Ça ne peut pas être restrictif, ça ne peut pas empêcher d'avancer les autres, du tout. Oui, nous sommes en fait plus dans la multiplication des talents et dans l'épanouissement de chacun, peut-être, en allant dans ce Complètement. sens. C'est de la même manière quand on travaille. Je veux dire, si vous avez écouté les pastilles Les cuisines de l'acteur? sur les cuisines de l'acteur, vous avez vu que toutes ces cuisines sont multiples. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de meilleur chemin. Le meilleur chemin, c'est le vôtre. Donc, il faut le travailler, il faut l'écouter surtout, et il faut enrichir par la multiplicité. C'est fondamental. Alors, on ne va pas t'interroger sur la cuisine de l'actrice, hein, puisque, comme tu le disais, il y a eu énormément de pastilles, mais peut-être au contraire, le métier que tu aurais voulu exercer si tu n'avais pas été comédienne. Alors, c'est très difficile à dire maintenant. Il est certain que mes premiers amours étaient d'être peintre. Mais j'avais été. Je suis allée aux Beaux-Arts quand même. Hein. Mais je sais que lorsque j'en ai parlé, on m'a dit Ah, dessinateur, ben, tu n'as qu'à. Ce serait bien que tu sois dessinateur industriel. Et là, j'avoue que mes rêves se sont un peu écroulés. Mais bon, après. Il y avait besoin de concret chez moi, de dire artiste, ça n'existe pas, c'est pas des métiers. Donc, après, je me suis beaucoup accrochée et les Beaux-Arts m'ont fait beaucoup avancer sur moi personnellement. Et puis ensuite, le théâtre est revenu. J'avais pratiqué un petit peu de théâtre à l'école, comme tout le monde. Et lorsqu'on m'a dit, mais pourquoi tu vas pas voir la classe? Il y a une classe de cours d'art dramatique. Et lorsque j'y suis allée, j'ai su dans cette classe que c'était ça que je voulais faire. Donc, je sais pas, maintenant, je n'ai pas d'autre métier en tête, aucun autre. Je sais pas si je saurais faire autre chose. Je crois pas. Suzanne Praneuf pose une question très sensible hein, qui concerne d'ailleurs tous les acteurs de la distribution d'un spectacle qui est du côté de Guermantes. On aurait pu le dire pour les autres spectacles qui étaient en création au Vieux Colombier et au Studio Théâtre. Du côté de Guermantes, que donc vous étiez en train de répéter avec le metteur en scène Christophe Honoré juste avant le confinement. Comment est-ce que toi, personnellement, tu as vécu le fait de devoir renoncer ou interrompre si brutalement, dit-elle, les répétitions si peu de temps avant la création qui devait avoir lieu le 23 avril dernier? Une frustration totale.
Et quand tu me demandes personnellement, je pense que c'était toute la distribution. Nous étions dans des répétitions qui nous plaisaient énormément. Et interrompre du jour au lendemain, sans savoir ce qu'allait être l'avenir, ça a été un choc. Difficile d'y renoncer, difficile de fermer la brochure et de se dire on verra plus tard. Et d'ailleurs, quand on parlait de WhatsApp, on a eu un petit lien WhatsApp aussi qui s'appelait Du côté de Guermantes et qui a été initié par Dominique Blanc, qui tous les jours avait un rendez-vous vers 17h avec Proust, où elle nous donnait un extrait, elle nous mettait un extrait et un tableau. Et que vous avez vu un peu à certains moments de la poésie. De la comédie continue. De la comédie continue. Et ça, c'est la preuve du lien qui était resté, dont on avait besoin et sur lequel est intervenu aussi notre metteur en scène. Et je crois qu'on est prêt à répéter, on a très envie. Et je pense qu'on aura l'enrichissement de toute façon de ce moment de frustration. Ça me fait penser aussi à ces répétitions que l'on fait lorsque c'est le spectacle de la rentrée. Vous savez, on répète souvent mi-juin jusqu'à fin juillet, puis après on a tout l'arrêt des vacances et on reprend en septembre. Ces spectacles-là ont toujours quelque chose de plus, parce qu'il y a eu ce mois d'août où on n'a plus répété. Alors là, comme on sait que ce sera septembre, il n'y a pas de frustration. Oui. Mais à chaque fois, il y a eu un travail inconscient qui s'est fait. Et quand on en parle, on est tous d'accord sur ce bienfait du mois d'août qui se répercute sur cette recherche qui n'était pas terminée, sur ces répétitions qui étaient au bord de se concrétiser, mais pas vraiment. Et chacun de son côté va avoir eu un cheminement et ça, on met tout ça en commun au moment où on reprend, de façon inconsciente, hein, mais on le sent très fort quand on se retrouve. On attend tous ces retrouvailles avec impatience. Des gens ont justement, là tu parlais de l'interruption l'été, on posait la question, est-ce que le confinement en lui-même, est-ce que tu as le sentiment que ça va changer quelque chose dans ta pratique du théâtre ? Ah, mais énormément. Enfin, je ne sais pas, pratique du théâtre, je ne sais pas, mais au fond de moi, ça change énormément de choses. Automatiquement, une réflexion sur soi-même. On a été, pendant 2 mois, et encore un peu maintenant, puisque nous, on ne retravaille pas encore, on a été livrés à nous-mêmes et à tout ce que ça a de bon et de moins bon. Et notre web télé nous a permis de rester sur le rail et puis de se lancer dans des projets qui nous ont nourris et qui nous ont redonné du temps qu'on n'a pas toujours parce qu'on travaille beaucoup aux Français. Et là, choisir un sujet, si je prends les lettres de Van Gogh, d'abord, moi, ça m'a fait faire un retour dans le passé, pourquoi j'avais aimé ça. J'ai analysé beaucoup de choses de mon goût de Van Gogh pendant cette période d'adolescence. Et ça m'a fait faire un travail sur moi. Et de le retrouver maintenant, d'y voir bien autre chose que ce que j'avais puisé à l'époque. Voilà, ce genre de travaux, moi je m'y suis donnée à corps perdu.
parce que ça a été ma façon de passer ce confinement. Ça va avoir changé parce que on a pris ce temps-là et qu'on a rechargé des batteries, moi je crois. Je crois moi j'ai retrouvé des choses de mon adolescence, j'ai retrouvé des sujets que j'avais un petit peu enfouis, qui me sont réapparus, parfois difficiles, parfois la nuit, parfois... mais il y a eu un travail qui s'est fait en nous, enfin en tout cas, je suis sûre que ça concerne tout le monde, parce que tous ceux que j'ai eu au téléphone ressentent la même chose que moi, peut-être différemment, mais c'est le même genre de choses. C'est un terrain qui a été retourné et où on va pouvoir planter de nouvelles choses, j'ai l'impression. En tout cas, je l'espère. Et de toute façon, déjà dans les têtes, c'est énorme ce qui s'est fait pendant 2 mois. Pour finir cette causerie, je voulais me faire le relais d'un jeune garçon, Clovis, qui écrit « Bonjour, j'ai 15 ans et je rêve de devenir comédien. Avez-vous un conseil ?» Alors, c'est un peu général. 15 ans, je rêve de devenir acteur. Je ne le connais pas, je n'ai pas devant moi, je ne peux même pas deviner, rien. Comme ça, je ne peux pas avoir de conseils. Les conseils, ils ne peuvent pas être les mêmes pour tout le monde. Donc, il faut que ce jeune homme, 15 ans, eh bien, qu'il croit en ce rêve, qu'il mette à exécution, qu'il lise beaucoup, qu'il s'inscrive dans un cours de théâtre, qu'il fasse des rencontres, qu'il partage et je pense que avec ce travail-là, avec ce désir, il pourra rencontrer le théâtre. Parce que, vous savez, moi, je me suis dit ça aussi à un moment. Je me dis, je ne sais plus quel âge j'avais, hein, mais ce n'est pas du tout ce que j'imaginais comme métier quand j'avais 17 ans. Et avec un peu de déception, pour certaines choses, sans doute liées, quand on a 17 ans, ou 15 ans, j'imagine, c'est le métier idéal. C'est le métier où on s'épanouit, c'est le métier où on rêve, c'est le métier où on va faire les plus grands beaux rôles. Et le métier, il est plus surprenant que ça. On va les avoir, les rôles, on va les avoir, mais s'inscrit aussi dedans un travail qui est parfois qui fait mal, parfois un travail qui vous élève ou pas. Et je crois que il faut se lancer à corps perdu, jeune homme de 15 ans. Je fonçais. Il n'y a pas de limite. Allez-y. Et puis, c'est comme ça que vous verrez que votre rêve correspond à ce que vous voulez ou pas. Merci infiniment, Claude, pour ces conseils, pour le regard sensible que tu portes sur la comédie française et sur ton métier, sur le théâtre, pour ce moment partagé. Je remercie également chaleureusement toutes les personnes qui étaient avec nous ce soir et celles qui ont participé à cette causerie en envoyant leurs questions. Parmi les nombreuses questions, nous ne pouvons toutes les citer, mais nous sommes très attentifs à retenir toutes les thématiques, en fait. Voilà. J'ai été ravie de m'en faire le relais ce soir, comme mes camarades vont le faire pour les prochains rendez-vous. Donc, sachez que justement, le rendez-vous est donné demain avec Benjamin Laverne, que vous avez encore le temps d'envoyer vos questions à Elsa Le Poivre, qui sera des nôtres jeudi, à Jérémy Lopez vendredi. La formule est très simple, vous pouvez les poster en message privé, en pensant bien à indiquer à quelle comédienne ou comédien vos questions s'adressent. Sur les réseaux sociaux de la Comédie Française, soit Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou SoundCloud. Encore un grand merci, Claude. Merci à toi, Chantal, et merci à vous
qui avez envoyé vos questions. J'espère que j'y ai répondu suffisamment clairement. En tout cas, merci beaucoup. Et à demain à toutes et à tous sur La Comédie Continue Encore en compagnie de Benjamin Laverne. Merci Claude. Merci.